donne pas dans frérot. C'est bon. Je peux faire un gros plan sur ta tête de. Oh, y a... oh. Petit focus et tout. On dirait Assassin's Creed. Ah ouais. Je te jure. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Dans la famille des 1000, je demande la G6S 1000. Après celle-là, il va nous manquer la Tiono V4. Donc dans un premier temps, s'il y a des frérots qui ont une Tiono V4, venez en DM, on est ouvert. J'espère que vous allez bien. Les frérots, la vidéo du cross, elle vous a fait kiffer. On tourne cette vidéo avant même que la vidéo. On pré-shot parce qu'on sait qu'on fait des vidéos de qualité. Donc tous les frérots, venez vraiment sur Instagram, c'est tarpin important pour tous ceux qui veulent faire du crosswalk. Venez sur Insta, on va tout vous dire et c'est plus sympa. Les frérots, aujourd'hui, vous l'avez vu, GSX-S1000. Dans la famille des 1000, il nous manque celle-là et la Tiono V4. La dernière, c'était la S1000R. Et maintenant, bah, ce qui est bien, c'est qu'on a pu essayer pas mal de motos maintenant et on va pouvoir vraiment comparer. Ah là, on va avoir des avis bien tranchés sur ces cylindres. Les frérots, la moto, elle est B. Refais, tu bégayes, fils. Ferme-la. Ferme-la. Les frérots, la moto, elle est bien évidemment pas à moi. Allez, à un frérot qui nous suit depuis pas mal de temps. Daniel, enchanté. Enchanté. Comment vas-tu? On serre la main. Ça va bien. Ça va, super. Donc, tu es le propriétaire de cette GSX-S1000. Écoute-moi, c'est la première fois que je la vois comme ça. C'est les dernières, c'est 2022. Voilà. Donc bah écoute, je te laisse te présenter ta moto, un peu ton parcours, ce que tu kiffes, ce que tu n'aimes pas sur cette moto. Bah alors, on va déjà commencer par la moto. Alors, hormis le kit déco spécifique, c'est un modèle qui a été fait par rapport à la fin de l'endurance et Suzuki qui s'est retiré du GP. Donc ça, on ne trouvera que sur les modèles numérotés. Moi, j'ai la numéro 40 sur 42. Ah, ça je veux bien filmer ça. C'est là. Oh, 40 okay. Sur 42. Ça, c'est cool ça. Et ça rajoute ce tarpin de. Je le vois bien ou pas? Ah oui, putain, d'accord, ok. On voit. Elle est là, ici. 40 sur 42, et en fait. Si tu veux filmer, après, là, en fait, tu as les signatures, les pilotes du CERT, okay. Et les pilotes du MotoGP. Ok. D'accord. Et c'est. Non, c'est pas une covering. Enfin, c'est pas une peinture, c'est. Non. Ok, donc ça, c'est du stick. Ouais, full stick. Non, franchement, c'est dommage qu'ils aient pas fait une peinture. Oui. Pour le coup, c'est vrai. C'est dommage, en vrai ça rend bien. Franchement, elle est super jolie, moi je la trouve belle. C'est la première fois que je vois une 1000 comme ça et la particularité, c'est les têtes de cyclope qu'ils ont fait maintenant. Oui, c'est vrai. Donc on aime ou on n'aime pas. Vas-y, allume-la en deux. Alors en vrai, moi. Bah au début, j'aimais pas, maintenant alors, je commence à kiffer. Je la vois, ça choque pas plus. Ouais, je sais pas, toi, on va voir de plus en plus. Ouais, je pense. De quoi de l'optique comme ça? Ouais, il y a Suzuki, ils vont faire que ça et KTM, les 1290 vont sortir comme ça. Avec les arrondis comme le phare d'origine qu'ils ont actuellement. Ok, d'accord. Ils vont sortir. Donc ils vont arrêter les genres de dents. Ouais. En fait, il y aura les dents, mais ça sera juste un kit déco. D'accord, ok. C'est pas ta première moto? T'as non. Eu quoi un petit peu ton parcours Avant cet achat, t'as eu quoi? Avant celle-là, Yamaha FZ8. Ok. Quand j'ai passé mon permis, la première que j'ai achetée, c'était un 390 de chez KTM. Ouais. Très sympa pour faire la main. Okay. Et avant ça, des 125. Ok. Et là, c'est ta première vraie moto après le... C'est ton premier 1000, quoi. Okay. C'est ça. Ok. T'en es content? Très content. Ok. C'est quoi que tu kiffes? Dis-nous les particularités un peu de la moto. Combien de chevaux elle sort? Le prix? Alors, le prix, 16 600. Ok. Avec l'Acra ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit Acra. Comme elle est là, 16 600. En option, dessus, il y a le petit saut de vent qu'il faut rajouter. Les protections style GP, SW Motec. Ouais, ça, j'ai vu. Ça finit ouais. Bien la moto. Moi en vrai, ce que j'aurais rajouté, je sais pas si tu veux. Ah, après, c'est compliqué de mettre des embouts de guidon. Mais je voulais les virer pour en mettre justement. J'étais à deux doigts en fait de les enlever ouais. Pour mettre comme bien sur la tienne. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça ferait très 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 joli. Ouais, ça finirait tarpin la moto c'est ce que je trouve vachement bien. Ok. Frérot, vas-y. T'inquiète. Oh, bois de l'eau. C'est moi le présentateur. Enfin, tu le cadreur et tu te. Waouh. Là, vous le voyez pas. Mais là, il y a la haine là. Waouh. Combien ça sort ça de chevaux, s'il te plaît? 154. Ok. Pour combien de kilos? 214. Oh. Ah oui. Ouais. Ça, c'est un beau vaisseau. 214, tout plein fait. On est content? Très très content. Qu'est-ce que tu kiffes toi sur la moto? La maniabilité. Ouais. Ok. Malgré le poids. Ouais. Franchement, hormis avec la puissance et tout, franchement, c'est vraiment un régal. Niveau du freinage, c'est double disque à l'avant, Brembo, je pense que c'est du 320 et enfin, je pense que ça freine. Ouais, ça freine très bien. Ok. Ouais. T'es un présentateur, il a révisé la fiche. Hein. Non, même pas, mais ça se voit à force, se professionnalise un petit peu. C'est vrai. On arrive à savoir. C'est vrai, c'est vrai, c'est beau. C'est quoi tes pneus, frérot? Des Dunlop. Ok. Pneus d'origine Ouais, de pneus d'origine. Ok. Qui tiennent assez bien, franchement, très content.
Ouais, t'en es content. C'est quoi la ref exacte? Rode Sport 2. Je connais pas. J'ai jamais roulé avec. Moi non plus. Okay. Et t'es un là peut-être? Bah non, parce que je voulais. Ah, tu veux là? Oui. Excuse-moi, monsieur le présentateur, pardon. Voilà. Toi, je t'ai dit comme. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Regarde-moi, s'il te plaît. Non, je peux pas, je peux pas être droit. Il y a le capot de. Le capot j'allais de en venir. Ouais, frérot. Non, mais le présentateur, il est pas bon. Le présentateur, il est pas bon. Est-ce qu'il filme ça et pas vu? Est-ce que tu as vu qu'il y avait les caches protection carter en carbone? Non, frérot, il les a pas vus. Si, ils sont là. Non, voilà. Et ben ça c'est d'origine sur toutes les motos, tu vois. Voilà. Ça tu les as sur toutes les GSXS. Allez, présente-nous ta moto. Vas-y, tu as tout vu. Ah, c'est n'importe quoi. Oh, elle est mais parce que t'es mauvais. Mais allez, c'est pas tu t'es rouillé, gros, tu t'es rouillé. Filme-le lui, c'est pas moi la star d'aujourd'hui. Ça change un peu. Franchement, elle est bien optionnée. Hein. Avec la selle. Celle qui est. Comment dire? Oh, elle a l'air d'être confort. Ouais, franchement, elle est très confort. Elle est... C'est du gel en plus, c'est cool. Elle est vraiment. Il y a écrit GSXS dessus en. Et ça, le truc qui est dommage, c'est qu'ils m'ont donné toutes les pièces d'origine. Tu as la selle d'origine là. C'est ok. Dommage, ils auraient pu faire un. Un truc un peu plus. Ouais, j'ai capté. Ouais, ils ont fait un truc joli ici au niveau pilotage, mais niveau passager, c'est. Niveau passager, vu que normalement tu es censé avoir le capot de selle au lieu de la selle, ouais. Ils ont gardé la selle d'origine. D'accord, ok. Ouais, parce que capot de selle, par contre, le capot de selle, il déchire. Hein. Bah, ouais, je le trouve vraiment, vraiment super joli. Il y a le petit motule dessus et tout. C'est. Non, franchement, c'est dégaine. Il est court, c'est d'origine. C'est un court, ça oui. Celle-là, il est d'origine. Sinon, d'origine, il est plus grand que ça. Ouais, ça va toujours là, les supports de plaque à peu près. Ouais. Je peux filmer les magnifiques protections de cadre en carbone. C'est pas de cadre, c'est moteur. Pas de cadre de carter, oh là là. Putain. C'est du vrai carbone ou c'est du plastique imitation made in. Ils disent carbone. Okay. On va voir ça de suite. C'est du carbone. Tu t'es pris. Ah gros, j'ai les ongles, ils détectent le carbone en fait. C'est très beau. J'aime beaucoup. La ligne complète Acra, alors elle est catalysée. Oui. Tu vas nous la démarrer. Ouais, vas-y. Ah, d'accord, c'est pas la ligne complète. Non. Okay. Allez, vas-y, démarre-nous ça. Les gens, ils veulent en train de hurler. Joli son de 4 cylindres. En vrai, tu le sens qu'il y a quand même la coca. C'est bridé, ouais, tu le sens que c'est bridé. Tu le sens que ça reste bridé. Ça te fait toi de l'enlever la coca, tu veux quoi? Franchement, ouais, j'aimerais essayer. Ouais. J'aimerais voir ce que ça donne. Eh ben, nous, on connaît un gars, il s'appelle LRT. Je pense qu'il peut te faire ça. Niveau consommation, ça se place où à peu près là? Tu sais, t'es sur. En moyenne, tu as 14 litres. Quoi? Quoi? C'est pas possible. Impossible. C'est ce qui te dit l'ordinateur. C'est impossible. Ah, non, c'est impossible. Là. L'ordinateur, ça, ouais, il est brisé l'ordinateur là. Regarde. Tu vois, quand tu te joues un peu à ce qu'il te dit, c'est un truc de fou. Où est-ce qu'il faut que je regarde là? Mais en conso réel, en vrai de vrai, ouais. Avec voilà. Un plein, je fais en moyenne 220 bornes. Si ouais. Okay. Et t'as 16 ou 17 litres. Ouais, donc c'est 19. Un gros son. Ah ouais. Et oui. Ah ouais, ça fait un bon 9,5. Ouais, c'est ça à peu près. Et ouais. Le tableau de bord, je m'attendais à un truc beaucoup plus sexy, je suis très déçu là. Bah c'est celui-là. C'est les prochains modèles qui seront mieux. Je suis très déçu. Les TFT, les couleurs et tout. Ouais, c'est un écran TFC. Ouais, mais sur les GEX aussi, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est le tableau de bord est pas ouf en termes d'ergonomie. Je trouve qu'il y a beaucoup plus joli actuellement sur le marché par rapport à tout ce qu'on a pu vous filmer. Mais ouais, bah écoute, je suis vraiment curieux d'aller l'essayer. Et niveau mode, c'est quoi? T'as mode sport? Alors là, ben là, elle est en A, c'est le mode sport. Ouais. Après, ce qu'ils appellent le B, pour eux, c'est la route. Ok. Basique. Et le C, c'est pour la donc pluie. Ça se passe ici. Ça se lève ou il faut un temps d'adaptation? Et après, tu as le traction control, hein, comme sur toutes les motos. Bien sûr, bien sûr. Parfait, super. On va s'équiper. La route classique, le Castellet. On va rouler un petit peu. En plus, là, il fait beau. Ah, c'est vrai. Les gars, on est début mars. On a un temps. Regardez, ça s'arrête pas. Depuis tout à l'heure, les gens, ils passent. On va aller rouler. Et on va s'adapter un peu à cette moto. On va essayer de la lever de suite. Attends, il est où? Et pour Axel, allez, allez! Et pour Axel, allez, allez! Le kiki d'Axel! Oui, oui! Ah putain, il a enlevé le traction? C'est bon. Ok, bon déjà j'ai un moins bon feeling sur la moto que sur le S-Miller. L'avant je le trouve, je sais pas, attends, faut que je roule un peu plus.
Bon, il va falloir un temps d'adaptation lundi pour la lever, ça c'est sûr. Il faut un temps d'adaptation. C'est vachement brutal en bas. C'est bizarre même. Bon, le moteur il marche, hein, c'est un moteur de 1000. C'est beaucoup plus vide qu'un S1000R. Mais alors, beaucoup plus vide qu'un S1000R, mais largement. J'ai pas de gros à-coups, même haut dans les tours comparé à. Là, voilà, je suis plein gaz. C'est très, très, très largement facile, entre guillemets, facile à maintenir. C'est une moto qui quand même, qui avance. Hein. Faut pas les mémés quand même. Ça reste souple. Les pneus, je les trouve un peu ronds. Voilà, un fond de 4. Ça reste très, très, très linéaire. Le freinage, il est pas spécialement rassurant. Ouais, non, c'est... Bon, j'attendais pas à avoir quelque chose de super fulgurant dans les mains. C'est très agréable. Je pense que c'est un 1000 vraiment hybride. Dans le sens où ça peut vraiment convenir à quelqu'un qui veut passer le cap sur un 1000 et qui veut pas un truc trop trop violent. C'est le ressenti que j'ai. Le shifter down, il est d'une facilité. Pas d'à-coup. J'appuie, ça tombe. De la 6 à la 1. Là, je viens de passer tous mes rapports. Donc, franchement, c'est très agréable. On va faire demi-tour. On va remonter un peu plus énergiquement. Ça lève. C'est une moto qui cabre. C'est pas évident à lever un Axel parce que c'est vrai que c'est pas très nerveux. Les pneus, je les connais pas trop, j'ai pas envie de m'envoyer comme un champ cross. Ouais, ça avance, mais c'est peut-être le 1000 qui va donner le moins de sensations depuis que j'essaye des 1000. Tu me diras, tu donneras toi tes ressentis, mon petit frérot. Ah, la fonte 2, elle est pas, genre ça m'agresse pas, tu vois. Je peux facilement remettre un plein gaz sorti de courbe. Après, ce que je disais, du coup, c'est vachement agréable parce que je peux largement le conduire comme un 600 en fait. Donc ouais, c'est. J'ai pas envie de lui faire peur à lui. En plus, il est au milieu. Oh, le shifter down, il est. Waouh! Oh, ah, il est incroyable. Le Powercra fait pas spécialement plus de bruit que ça. Le freinage, il est pas là. Hein. Le freinage, il. Ah non, il est pas là. Hein. Le freinage, il est complètement absent. Hein. C'est. Elle met un tir en deux, c'est trop bizarre. Attends, je vais essayer de voir. Elle met un tir en deux, c'est. Ouais, le shift down est cool, hein. Bonne moto, c'est équilibré. Ouais, non, ça avance. Ouah, le freinage, il est pas là. Je suis désolé, le freinage, il est pas là. Ça avance, hein, bien sûr, les gars. Mais le freinage, là, j'écrase comme un malade, là. J'écrase comme un fou. Ben, vas-y, je suis carrément chaud. On va faire ça sur la ligne droite. Ok, vas-y, on se met une bonne allure. Je me mets en 4. Attends, il y a la voiture. Ah ouais, quand même, hein. Ah, gros, j'ai écrasé, hein. Gros, regarde, je vais écraser devant toi, gros. Tu vas voir. Hein. On va essayer de la lever en. Allez, en 1, comme ça on la lève fast. Ah, c'est pas si évident que ça, hein. Par rapport au S1000R, par rapport au MT10, par rapport à sûrement d'autres motos, mais après en ligne droite comme ça, enfin genre c'est pas ma moto, tu vois ce que te dire sur une bosse. Sur une bosse, je la déleste, y a pas de souci. Je suis très très bien dessus par contre, tu vois, genre je suis très 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 bien dessus. La selle, elle est super confort et tout, franchement génial. Maintenant, on a dit 16 500 balles. Pour 16 500 balles, franchement, ben j'achète pas ça. Pour un premier 1000, quelqu'un qui veut un 1000 et qui veut pas quelque chose de trop 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 nerveux et tout ça, parce que mine de rien,
attention, ça avance très très bien dès que t'es dans les tours. Hein. Mais à comparer à la concurrence, c'est. Waouh, le freinage il est inexistant. Alors que pourtant on est sur des étriers Brembo, ma sainte rouille gauche. Oh, la BM était belle. Oh, il y a de la caisse là. Après, franchement, au niveau châssis, c'est ok, mis à part le freinage. Enfin, la partie cycle est ok, mis à part le freinage que je trouve beaucoup trop mou. Je sens bien l'avant, il y a un bon feeling, la boîte est super souple. C'est un bon 1000, mais c'est pas un très bon 1000. Par rapport au prix, il y a mieux. Un Decata et une demi-ligne, ça vaut... Waouh, il nous fait des virages chelous là, le frère. Waouh. Waouh, l'ami, tu crains du boudin, frérot. Waouh, il craint fort, le frérot, là. C'est, tu vas voir, hein, c'est... T'as pas d'à-coup. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai remarqué en moto, que j'aimais. J'aime me prendre des claques, en fait. Après ouais non, ça tient bien la trage, c'est ok, mais franchement non, c'est cool. Je pense réellement en fait le souci de la moto, en fait du coup il parlait tout à l'heure des 17 litres ou des 15 litres, je sais plus. Le souci de consommation pour moi il va venir du fait que finalement bah, t'es obligé d'être dans des, comme je disais, on est obligé de conduire comme un 600. Ça veut dire que les tirages de rapport se font bien comme il faut quoi. Parce que là je suis en 3, théoriquement je vais doubler, il n'y a pas de souci, mais je vais doubler plein gaz. Ben, putain, ça met du temps à grimper quoi. Je suis sûr que toi derrière tu m'as rattrapé en... Tu vois ce que je veux te dire. Et tu vas le ressentir. Le frein arrière il est cool, il stabilise bien la moto. Je suis arrivé un peu fort sur le truc. Il stabilise bien, c'est cool. C'est ce qu'on demande à un frein arrière de toute façon. Ça lève, ouais, ça lève. Après je suis pas un pro, c'est pas ma moto. Frérot, il y a trop de monde, on va faire demi. Tu vas la prendre toi et... Allez. Bon les frérots, on a eu un petit souci de caméra, ma caméra n'a pas fonctionné. Du coup là ce qu'on fait c'est que moi j'ai récupéré la moto. Je vais me faire une petite descente et une petite montée pour vous donner mon ressenti, c'est vraiment dommage. Mais bon c'est pas grave, Axel il a essayé, il a bien essayé. Moi je vais l'essayer, je vais faire une montée, une descente, je vais donner mon ressenti. Mais on a pu en discuter et franchement on a le même avis. C'est à dire que la moto c'est une moto qui met super bien en confiance. Le moteur il marche mais ça pas ce coup de pied au cul. Par contre le freinage ça ne freine pas. Mais genre pas du tout du tout. C'est vraiment le point faible qu'on a donné à cette moto. C'est malgré le fait que ce soit un 1000, le freinage c'est un big 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 problème. Parce que ça s'envoie, ça a quand même 155 chevaux on va arrondir. Ça s'envoie, tu prends des vitesses assez élevées quand même. Ben si tu commences à bien t'envoyer, ben tu vas être bridé non pas par la moto mais par le freinage. Non pas par le moteur mais par le freinage. Parce qu'en fait la moto tu vas bien l'exploiter, mais du coup tu vas devoir freiner beaucoup plus tôt. Et du coup ben cette moto par exemple tu ne pourras jamais l'envoyer sur circuit. Bien évidemment, c'est pas le pourquoi elle a été faite, mais ça reste quand même quelque chose à savoir. Si demain tu as comme projet de la mettre sur piste, ben change tes plaquettes à l'avant, les étriers ou les disques, quelque chose au niveau du freinage, parce que vraiment c'est le souci de cette moto. Mais à part ça, la boîte est très souple, la moto elle met super bien en confiance. En fait c'est ça, c'est si tu veux un 1000, que t'es un peu sur la réserve ou autre, et que tu vas avoir une moto qui est quand même puissante, qui avance, tout ça, et bien cette moto là, comme premier 1000, pour un 1000 classique, enfin pour un petit 1000, c'est très bien. Là vous voyez, mais quand même des coups d'accélérateur, elle lève pas. J'essaye de la délester, rien à faire. Mais bon après en fait c'est pas ce qu'on demande à cette moto là hein. Franchement ça tire super loin, ça tire bien. Les frérots, on a fait une descente plutôt tranquille. On va essayer de faire une montée plutôt dynamique. Vraiment la partie cycle, c'est pas un rail comme la street, mais franchement ça tient vachement bien. Ça a de l'allonge. Par contre voilà, là dès que tu freines, bah tu sens qu'il manque un truc quoi. Et c'est vraiment dommage quoi. Le shifter down il est super bien. Le Decata franchement il manque. Genre tu sens que c'est pas tout son souffle. Franchement la partie cycle, ça s'en va en courbe. Le poids, les 215 kg, les 214 kg, tu les sens pas.
vous jure les gars, c'est dommage ce freinage. C'est dommage. Ah, elle est agréable, elle est très agréable à conduire la moto. Elle vibre pas. Ça tire vachement long. Et là. Ah putain, c'est, je vous jure les gars, ce freinage. On va se répéter, mais. Mais ça joue. Là, regardez, je tiens mon filet de gaz. J'ai mon regard. Ça s'envoie, franchement, bonne moto. Moi, personnellement, comme il a dit Axel, j'achèterai pas ça. Mais franchement, c'est cool, c'est cool. Et il y a un petit souci de caméra, on est désolé. Je vais vous laisser sur le petit débrief qu'on a pu faire avec Axel. Pensez à vous abonner, c'est très important, les gars. Ça ne freine pas. Tu vas essayer la moto d'Andy. Tu vas la prendre seule avec lui, vous vous suivez ou quoi. Tu vas être choqué. Au début, dans la montée de... Il me dit, ça va, tu abuses et tout. J'ai dit, attends, prends un peu de vitesse. Il prend un peu de vitesse. Tu vas essayer la moto d'Andy. Tu vas voir. Le freinage déjà. Vraiment. Tu vas essayer. Très bonne moto. J'ai kiffé le... Là, en fait, c'est facile. C'est très facile. Il n'y a pas de coup de pied au cul par rapport à tous les 1000 que j'ai essayé. C'est le moins puissant. Ouais, c'est ça. Même en étant à basse vitesse, par exemple, à un moment, bah là, sur celle-là, j'étais en 2-3. Même en étant à très très basse vitesse, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je mettais du gaz, mais genre en plein, tu vois, hein, j'ouvrais vraiment comme un chien. Bah, en fait, j'avais pas ce truc de, oh putain, je suis sur 1000, il faut pas que j'ouvre comme un chien, tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, du coup, elle est très douce. Après, c'est par rapport à tout ce qu'on a pu essayer, je m'attendais vraiment à ce que le freinage soit plus efficace que ça, au vu que c'était du Brembo et tout ça. Peut-être est-ce que c'est un souci de plaquette d'origine qui est pas spécialement assez incisif par rapport à d'autres qu'on a pu essayer. Putain, un freinage qui est mais vraiment 2-3 fois supérieur à celui-ci. Maintenant, partie cycle, bah, elle est vraiment très bonne, mis à part freinage. Les pneus, franchement, moi, ils m'ont pas fait peur, j'ai glissé à aucun moment. Pourtant, à des moments, j'ai bien envoyé là sur la montée, c'était cool. J'ai réussi à lever. J'ai réussi à lever. Petite bosse, tu délaisses. Le fait qu'elle soit pas brutale, cabrée en ligne droite, ça nécessite d'avoir soit l'embrayage, soit sinon le frein pour pouvoir mettre un très gros up, quoi. La lever et après avoir le frein. Moi j'ai pas le frein, juste sortie de bosse ou ligne droite avec la mienne, j'ai plus de couple. Donc brrr, et après ça glisse. Celle-ci du coup, vu que j'ai pas ce côté un peu coup de cul, c'est ça, j'ai pas réussi à la lever en ligne droite. Mais sinon sortie de bosse et tout, c'est rigolo, ça délaisse. Franchement, bonne machine. Et franchement, elle fait pas peur. Donc c'est un bon premier 1000. Mais je pense que si demain tu veux vraiment commencer à taper du 1000 un peu plus vénère, tu vas essayer, là bah, on en a parlé tout à l'heure, tu vas essayer le Duke 1290, tu vas te satelliser, vraiment, moteur et freinage, tu vas arriver comme un chien dans un virage, tu vas faire ça, tu vas t'écraser, ah vraiment, tu vas être choqué. En tout cas, super, merci à toi de nous avoir prêté la moto, frérot, ça fait... Allez, tchuss.